famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais encore vous présenter un produit que j'ai reçu pour essayer. Donc j'ai hâte de pouvoir essayer. Ça a tombé très bien parce que comme vous pouvez voir ma tête, c'est juste pas possible. J'ai lavé mes cheveux mais je sais plus quoi faire. Donc voilà. Donc ce produit c'est un sèche-cheveux. Ça s'appelle donc Professional Air Dry. Donc je l'ai reçu pour essayer. J'ai vu beaucoup d'américaines utiliser. J'ai trouvé ça super joli, très design. Donc c'est un sèche-cheveux qui fait entre 1800 et 2000 watts. Il m'a l'air bien. Donc voilà, je vais essayer voir ce que ça donnait. En tout cas, si ça résiste à mes cheveux, ça résistera à tout. Parce que là mes cheveux c'est juste pas possible. Donc c'est parti, c'est la première fois, j'ai jamais essayé. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc voir ce que ça contient. Donc donc ça contient, c'est un embout pour donc les cheveux bouclés. Après, ça contient un autre embout, donc voilà, pour faire les brushings et compagnie. Faites pas attention à mon ongle, j'ai cassé mon ongle deux. Voilà, ça c'est toute ma vie, je casse tout le temps mes ongles. Après, dans la boîte, il y a un autre embout qui est un peu plus large. Voilà, il est comme ça. Voilà, et celui-ci est un peu plus petit et celui-ci est un peu plus grand. Donc, bon. Après, c'est très beau. Donc voilà, le sèche-cheveux, il est comme ça. Très, très beau. Voilà, le design, il est très, très beau. J'adore. Ça m'a l'air de qualité en tout cas. Sur le site qu'ils le vendent, ils le vendent à 40€, 39€ et quelques. Je sais pas, un truc comme ça. Je crois que c'est en solde, enfin, voilà. Je trouve que c'est pas cher quand même. On verra ce que ça va donner, mais moi en tout cas je trouve que c'est pas cher. Donc là vous avez quoi régler, donc le volume de température, donc vous avez une, enfin, la première température et la deuxième température. Là je pense que c'est pour le froid et là bah pour l'éteindre. Donc je vais allumer, je vais regarder. Donc on va tester tout ça juste pour voir la performance du truc. Le rentrer, bon, c'est bon. Donc quand c'est vers le bas ici, vous avez que du froid, et quand vous montez vers le haut, il y a du chaud. Ici froid, vers le haut chaud. Niveau intensité, déjà déjà ça chauffe bien. Le bruit, c'est comme un sèche-cheveux normal quoi, je veux dire il n'y a pas de... Voilà, il fait un bruit comme tous les autres sèche-cheveux. Et puis, ça chauffe bien quand même. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher mes cheveux. Je vais les tirer parce que là, je les ai lavés et qu'ils vont se sécher comme ça. Je vais juste galérer. Après, je vais utiliser donc avec ça un sérum anti-freeze. Voilà, je vais utiliser pour que ça me protège contre l'agression de la chaleur de ces cheveux. Si vous faites la plaque aussi, c'est bien aussi. Donc voilà, je mets rien d'autre sur mes cheveux parce que le soin, j'ai déjà fait. Donc là, j'ai utilisé juste le niveau 1. Et vous voyez déjà, ça sèche bien. Donc si vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser le niveau 2 pour agresser déjà plus vos cheveux. Donc voilà, souvent. Après, si vous voulez laisser plus, je pense quand même... Là, il va falloir monter au niveau 2. Donc voilà, mais moi, là, c'est ce que je vais faire parce que je veux quand même que ça soit un peu plus lisse que ça. Je mêle un peu mes cheveux. Je commence toujours par les pointes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vraiment une brosse comme ça. Moi, j'aime bien parce que c'est plus rapide, quoi. Quand même, la différence, c'est incroyable. Hein. Donc comme vous pouvez voir de suite ça change, c'est à dire que là les cheveux ils sont beaucoup plus lisses. C'est pas comme si j'avais passé la plaque hein, ou pas faire vraiment un brushing, mais en tout cas c'est bien. Voilà. Je dirais pas que c'est un truc de fou non plus, mais ça va, c'est un bon sèche-cheveux. Feeling, I know you're there.
là, mes cheveux, vous voyez les pointes comme elles sont. Ça, c'est un manque de soin parce que... Et je pense qu'il faut que je coupe mes pointes, mais franchement, ça me fait mal au cœur de couper mes pointes. Même s'il faut souvent couper les pointes, c'est très important parce que ça vous empêche les cheveux de pousser, d'avoir des cheveux qui ont des fourches. Donc, très important de le faire. C'est vrai que moi, je ne le fais pas très souvent parce que c'est en fait, c'est juste que je ne le fais pas moi-même et que je ne trouve pas vraiment les gens que j'ai confiance pour donner mes cheveux pour le faire. Voilà. Mais sinon, ça m'arrive quand même de le faire souvent. Voilà. En ce moment, depuis que j'ai accouché, j'ai pas vraiment pris soin de mes cheveux et j'ai pour couper mes cheveux. Donc, voilà. Et aussi, ce qui aide beaucoup, c'est de faire les soins. Les soins, ça aide vraiment à ne plus avoir ça parce que quand vous coiffez, vous avez toujours plein de petits cheveux qui se cassent. Et c'est pas génial. Donc le mieux c'est de prendre soin, faire des soins de vos cheveux, hydrater beaucoup vos cheveux, c'est très important. Voilà. Là je vais changer l'embout, je vais mettre plus grand, voir qu'est-ce que ça va donner parce que voilà. Donc le sèche-cheveux Iron, il est vraiment pas mal. Vous avez en fait, je crois que vous l'avez en plusieurs couleurs. Il y a rose, gris et noir, je crois. Et celui-ci. Bon. C'est long, hein. J'y m'expère, ça m'expère. Ça m'exaspère mes cheveux. Il faudrait que j'ai quelqu'un à temps plein pour s'occuper de mes cheveux. Donc le jour où je vais gagner l'euro million, hi! Démêler mes cheveux. Franchement, le sèche-cheveux, ça va. C'est pas la révolution de dingue, mais franchement, c'est très bien pour démêler vos cheveux, lisser. Non, c'est bien. Le rendu, c'est pas lisse, lisse, mais après, j'ai pas les cheveux lisses non plus. J'ai les cheveux qui sont super crépus, donc c'est compréhensible. Il est maniable, il est petit, il est mignon. Il est pas cher. C'est pas de la pub pour que je fais vraiment. C'est que j'essaye le produit parce qu'ils me l'ont envoyé pour que j'essaye. Donc, du coup, j'essaye. Et puis, voilà, je suis pas vraiment en partenariat. C'est pas un partenariat payant. Pas du tout. Voilà, donc je peux attacher sans problème et sortir. Ils sont bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Enclenche la petite cloche pour avoir des notifications quand je vais publier des vidéos. Je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. Bye. Oui, je sais, tu veux dire au revoir toi aussi? Mais t'as le visage tout sale. Oui.
Bye!